donc me voilà pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo produit terminé. Donc j'ai un peu de tout. Donc je vais faire ça rapidement parce que c'est pas une des vidéos que j'adore. Voilà, donc je vais commencer par le shampoing, par deux shampoings. Enfin shampoing et après shampoing de Garnier. Donc c'est un shampoing à la à l'aloe vera, donc, et à l'huile de karité. Donc ce produit n'a pas de parabène ni silicone. Par contre, elle contient du sulfate. Mais je l'adore. Donc le sulfate, comme vous savez, il faut le détourner en faisant un bon bain d'huile. Et après, c'est nickel. Voilà. Donc c'est l'après-shampoing crème riche aloe vera karité pure. Voilà. Voilà, donc là, bon, par contre, l'après-shampoing, il faut vraiment appuyer fort pour que ça puisse descendre. Donc, c'est un peu saoulant, mais bon, je retire carrément le bouchon et ça va plus vite. Voilà. Ensuite, on va passer à d'autres shampoings. Bon, j'ai ce shampoing, cheveux secs et abîmés. Donc, c'est un shampoing de chez Nathéis. Voilà. Donc, ce sont mes filles qui l'ont utilisé. Donc, voilà. Bon, c'est à l'huile d'argan. Donc, voilà. J'ai pas trop à me plaindre. Si je dois le racheter, je rachèterai. Mais en général, Garnier, c'est sans problème. Je rachète. Voilà. Ensuite, j'ai ce shampoing de chez Desange. Voilà. Cheveux éteints en perte de lumière. Donc, ce shampoing... Je l'ai essayé que deux fois. Franchement, c'est pas fait pour les cheveux crépus. On me l'avait déjà dit, mais j'avais envie de le tester quand même, puisque je l'avais sur la main gratuitement. Voilà. Donc, je l'ai essayé. Mais je n'ai pas utilisé tout ça. J'ai utilisé vraiment pas beaucoup dedans. Et les cheveux sont devenus rêches, durs. Voilà quoi. C'est pas le top pour les cheveux crépus. Si je rachète ou pas, pas vraiment. Voilà. Mais c'est quand même un bon produit. Mais bon, ça ne va pas avec nos cheveux. Voilà. Donc, on passe au Schwelder. Donc, shampoing anti-pelliculaire. Voilà. Anti-démangeaison. Voilà. Donc, je mets les lunettes parce que sans lunettes, je ne vois rien. C'est pour ça que j'ai du mal à lire. C'est pour cheveux normaux. Voilà. Donc, eucalyptus. Voilà. Donc, c'est super agréable. Donc, c'est pour, si vous avez des pellicules, franchement, c'est du top. Donc, je rachète et j'en ai déjà en réserve, pardon, surtout pour mes filles. Voilà. Voilà. Ensuite, on va continuer avec les shampoings et après shampoing. Donc, là, j'ai terminé. Donc, je pense que vous connaissez tous Organis. Le shampoing... à base d'olive et l'après-shampoing. Voilà. Il n'y a rien à dire. C'est le classique. C'est du bon. Voilà. Donc là, j'en ai plus. Donc je rachèterai. Oui. Mais quand j'irai à Paris. Voilà. Ou à Rennes. Voilà. Ensuite, continuer. Après-shampoing. Voilà. On va passer au shampoing Activilon. Donc nature pour cheveux crépus. Ce shampoing, franchement, c'est du top. Donc, si je rachète, oui, ça c'est sûr. Donc, j'en ai une dans réserve. Donc, je pense qu'il y a assez pour le moment. Donc, voilà. Mais, si je dois racheter, c'est oui. Parce que c'est vraiment agréable à utiliser sur les cheveux crépus. Voilà. Ensuite, puisqu'on parle de cheveux, j'ai l'Activilon. Donc, c'est mon bébé. Voilà. Ça sent très bon. Voilà, ça sent super bon. Donc, c'est pour les cheveux crépus aussi. Toujours de la gamme Activilon. Effet mouillé, voilà. Effet mouillé, ça c'est sûr, ça fait l'effet mouillé. Donc, quand j'avais les cheveux un peu plus courts, j'avais du mal à l'appliquer. Ça laissait des résidus. Maintenant, les cheveux sont un petit peu plus longs. Ça laisse des résidus, mais je tamponne avec un gant de toilette. Sinon, c'est un produit que je rachèterai et que j'ai déjà racheté. Donc, j'en ai pris deux à Paris, à Saint-Denis. Donc, dans certains magasins, c'est 7 euros. Je me suis fait avoir pour une fois. Et dans les autres magasins, c'était 5 euros et quelques. Mais je n'ai pas eu le temps d'aller courir tous les magasins pour chercher le bon prix.
Voilà. Donc, on va continuer. Encore un shampoing, après shampoing. Donc, c'est un shampoing. Non, ça, c'est un après shampoing et beurre de karité. Donc, c'est toujours Garnier. Voilà. Donc, il n'y a rien à dire sur ces produits. C'est des bons produits, voilà. De supermarché, voilà. De grande surface. Voilà. Donc, voilà. C'est tout. Ensuite, on va passer, là c'est bon, au gel douche. Donc, voilà. Donc là, c'est un gel douche que j'ai acheté chez Noz. C'est à base de coco. C'est super, 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 super gras. Voilà. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup de dedans et c'est interminable. Donc, famille nombreuse et voilà quoi. Mes filles gaspillent beaucoup de gel douche, donc j'ai pris ça. Ensuite, il y a celui-là aussi, à base d'argan. Ça sent aussi bon. Donc, c'est énorme. Et il m'en reste une dans la douche. J'ai l'impression qu'elle ne se termine pas. D'accord. Voilà. Donc, j'en rachèterai, oui. Parce que c'est quand même, ça fait faire beaucoup d'économies. C'est énorme. Et ma plus jeune fille, elle utilise beaucoup de gel quand elle se douche. Et c'est financièrement sacré. Voilà. Et j'avais pris ça chez Noz. Je pense que c'est à 3,50€, un truc comme ça, ou 2,50€. Voilà. Donc, on va passer à Ushuaïa. Donc, Hammam, les douches détoxifiant, thé vert, feuilles de menthe. Voilà. Ça aussi, ça sent bon. Voilà. Donc, comme vous voyez, je suis un peu un addict de gel douche. Voilà. Ensuite, on continue. Manava, bulle de soirée. Donc, c'était jaune. C'est un gel douche hydratant aussi. C'était jaune. Édition limitée. Bon. Ni plus ni moins. Ça sent bon. Si j'en rachète, si c'est en promotion, je vais en racheter. Si c'est pas en promotion, on passe la route. Mais sinon, c'est pas cher. Hein. Mais bon, je vais pas accrocher pour dire que voilà, c'est le gel douche que je peux pas m'en passer. Donc, c'est nul. Voilà. Donc, on continue par Yves Rocher. Donc, Yves Rocher, ni plus ni moins, pour moi personnellement, voilà, ça sent bon, mais j'ai pas accroché. Donc, si je le rachète, non, pas celui-là. Voilà. Ensuite, on continue avec Fa, voilà. Encore, les grands, un grand gel douche, deux, voilà. Miel, voilà, et aloe vera hydratante. Les deux, c'est du top. Si je rachète, oui. Je les ai achetés chez Noz, je crois, entre 2,50€ et 3,50€. Je ne me rappelle plus du prix. Mais si je rachète, oui. Parce que déjà, chez Noz, c'est moins cher. Donc, voilà. Ensuite, on va continuer. Voilà. Donc, Playboy. Donc, les deux sont bons. Donc, je rachèterai. Je les ai payés 1,49€ chez Noz. Et ça sent super bon. Donc, ils ont sorti plusieurs gammes chez Carrefour. Mais j'attends pour en trouver chez Noz les nouvelles gammes. Voilà. Parce que c'est plus cher chez Carrefour. Je rachète. Ça, c'est de la balle. C'est un chez U. C'est une crème lavante nourrissante. Lavante nourrissante, pardon. Crème lavante nourrissant, extrait d'ambre, l'huile d'argan. Voilà. C'est un produit de chez U. Et franchement, chez U, ils font des super bons produits, que ce soit gel douce, que ce soit soin, que ce soit voilà, ils vendent des bons produits quand même. Ils ont une bonne gamme. U, voilà, j'en ai pas de U chez moi. Voilà, ça sent très bon. Je rachète, oui. Ensuite, on va passer à Mam, l'huile de douche satinante. Voilà, pareil au sens. Voilà, Ushuaïa. Donc, c'est Hammam, l'huile de douche satinante. Donc, l'huile d'onagre, fleur d'oranger. D'onagre, je ne sais pas c'est quoi, mais j'ai aimé et ça sent super bon. Voilà. Ensuite, on continue.
pour laver les mains. Ça aussi, c'était pour laver les mains. Donc, c'est Yves Rocher, Jardin du Monde, voilà. Fleur de lotus. Bon, pour moi, c'est ni plus ni moins. Si je rachète, non. Voilà. On va passer Nivea. Voilà. Donc, le lait hydratant douceur. Voilà, irrésistible. Donc, peau très sèche, beurre de karité. Donc, je rachèterai, oui. Voilà. Ensuite, j'ai ce gel douche qui est super. Il n'y a plus dedans parce que vous voyez, je l'ai bien rincé parce que je l'adore. Donc, c'est passion exotique. C'est fruit passion. Fruit de la passion. Franchement, c'est énergie. Ce gel, je l'adore. Je l'adore. Donc, si je rachète, oui, 10 fois. Donc, j'en ai plus en réserve. J'ai d'autres modèles en réserve. J'ai fraise. Ah oui! Ah oui! Je pensais que j'en avais plus. Voilà la couleur. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Donc, je les avais pris en promotion parce que c'est pas donné comme gel douche. Voilà. Et j'ai aussi à la fraise que j'ai pas encore testé. Voilà. Donc ce sont des produits qui sont super agréables. Ça sent super bon. On va dire que c'est un peu de luxe de supermarché. Voilà. Ensuite, on va continuer par Yves Rocher. Donc c'est un produit, du premier lunette. C'est un produit d'homme. Enfin pour la peau. D'homme si vous pouvez dire. Donc oui, c'est ça. Énergie d'homme. Voilà. Anti-âge. C'est un soin anti-âge x4. Donc, il adore. Donc, moi, je ne l'ai pas testé. C'est mon chéri qui l'a testé. Donc, il adore. Donc, on en avait acheté deux. Donc, il nous en reste une. Et ça sent bon. Donc, ça lui plaît. Donc, ça coûte 14 euros et quelques. Donc, on doit en racheter encore avec les moins 50% de chez Yves Rocher. Donc, on rachètera. Voilà. Donc, ce produit, encore homme, de chez Clarins Men. Gel super hydratant, super moisissant. laisse tomber, je lis en anglais. Gel super hydratant, voilà. Donc, anti-pollution, Clarins Men. Donc, on a acheté 39 euros à l'aéroport. Donc, je pense que vous savez que c'est des super produits. Donc, ça lui va très bien. Il n'a pas encore fini, mais bon, je le fais parce qu'après, moi, garder les emballages, c'est un peu saoulant. Voilà. Ensuite, ce produit, je pense que je vous ai déjà parlé de ce produit. Donc, c'est un gel. Attends. Voilà. Donc, c'est un gel à base de carottes. Ça pue. Ça sent pas bon. Je sais pas si c'est efficace pour le corps, mais ça sent pas bon. Je l'avais acheté chez Nose. Si je rachète, non. Mais je l'ai fini sur mes pieds. Donc, j'ai lavé mes pieds avec. Voilà. Voilà. Ensuite, un autre produit de chez Lierac, homme, voilà, anti-âge aussi, voilà, donc ce sont des produits sur le visage, c'est déjà, c'est vide, mais c'est cher, ça coûtait 50 euros et on l'a eu à 40 je crois, voilà, donc chez Carrefour qu'on avait acheté, c'est un bon produit anti-âge, mais ça coûte cher, voilà, on va terminer. Même pas, oui. On va. Il y a ce produit. Voilà, de chez Bécom Bio. Donc, eau nettoyante démaquillant, visage et yeux, eau de camomille et de lavande bio. Toute peau. Donc, c'est certes un bon produit, mais pour ma peau, ça ne va pas. Mon chéri, c'est lui qui l'a terminé. Voilà. Ça lui piquait pas la peau, sauf que moi, ça me piquait la peau. Voilà. Donc, si moi, je rachète, c'est niet. Donc, je ne rachèterai pas ce produit. Voilà. Ensuite, ouais, j'ai ce produit. Donc, c'est caramel beurre karité. Baume addict. Ça, c'est vrai. Donc, vous enlevez la petite languette et ça donne ça. Je l'ai terminé. Le pot paraît super profond, mais elle n'est pas profonde parce que ça arrondit à l'intérieur. C'est à l'huile d'argan.
beurre d'argent, ça sent trop bon. Donc ça coûte 5 euros chez Carrefour. Je rachète 8, donc j'ai un autre. Voilà. Donc j'ai racheté un après, donc voilà. Donc Carité Passion, comme vous voyez, c'est comme le, un peu comme ça là. Donc elle n'est pas terminée, mais elle est presque terminée, donc je profite pour vous en parler. Voilà la couleur, ça sent trop bon. Et ce produit, ils le vendent chez Body Shop à Paris, mais de la marque Body Shop. Et je peux vous dire que ça rivalise. Les deux sont bons, sauf que le, là c'est 5 euros et là-bas c'est une vingtaine d'euros si c'est pas plus. Voilà, donc c'est un produit qui est super agréable et ça se vend en supermarché. Et ça dure longtemps. Et quand vous l'utilisez, il faut bien insister sur les coins, voilà, qui blanchit beaucoup, et les genoux et tout. Voilà, donc elle n'est pas terminée. Et voilà. Donc ce produit, donc je le mets là-dedans, comme vous voyez. Là, je viens de le remplir. Voilà, donc ça me permet d'accéder plus facilement à mon truc. Voilà. Voilà. C'est ce produit. C'est du beurre de karité à la passion. Donc voilà, beurre de karité. Fruit passion, beurre de karité et de énergie fruit. Ça sent très bon, ça coûte 5 euros et vraiment c'est de la balle. Voilà les filles. Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà. Et comme je vous dis, je déteste faire les objets terminés parce que ça fait plein de produits à garder dans la salle de bain. Parce qu'on n'a pas beaucoup de place. Sinon, c'est tout pour la vidéo. Donc je vous dis à la prochaine. Et puis franchement, les produits comme ceci, testez parce que c'est du top. Voilà. Ciao.